qui me rend heureux, alors moi qui étais cadre dirigeant d'enseigne de retail pendant 30 ans, eh bien c'est d'avoir une indépendance d'esprit et de travailler pour un collectif. Je trouve qu'on a beaucoup plus d'idées quand les entreprises partagent leurs compétences et partagent leurs idées. On a une vision beaucoup plus juste et on prépare beaucoup mieux l'avenir. Happy Bees, ça apporte à Plateau Fertile une visibilité puisque Plateau Fertile, c'est un projet qui a démarré seulement il y a 6 mois. Donc c'est aussi important de se faire connaître pour rendre vivant et on va dire convaincre tous les entrepreneurs de la mode et du textile à nous rejoindre. Voilà, donc Plateau Fertile, c'est un tiers-lieu qui a d'abord comme vocation d'aider les entrepreneurs à développer leurs idées, notamment, on va dire, par la réalisation de prototypes. Il y a un atelier de confection, un atelier qui fait aussi de la customisation, qui permet de faire des prototypes, des mini-séries, pour expérimenter des nouvelles tendances de consommation. Voilà, donc ça c'est la première vocation de Plateau Fertile, sachant que derrière il y a aussi un outil de conception 3D qui va être développé en partenariat notamment avec Auchan et Camailleux, hein, pour expérimenter la conception 3D pour leur entreprise. Donc le fait de le partager avec d'autres enseignes, ça va leur permettre de faire un choix plus juste et de se préparer à se réorganiser dans leur entreprise.